Salut tout le monde, c'est Demoniacs pour la chaîne de Demotius. Et aujourd'hui, on se retrouve pour The Quarry. C'est le chapitre 8. Donc, chapitre 7, on avait plein de révélations sur les loups-garous, sur ce qui s'était passé avec Laura et Max, qui était le policier qu'on avait vu au tout début. Donc, finalement, en fait, c'est Travis Hackett. Donc, pour l'instant, le frère de Chris Hackett. Parce que on n'en sait rien. Mais vu l'âge, je pense qu'ils sont frères. Les deux enfants, bah, il y en a une qui est morte, tuée par Laura. On sait pas si c'était chez Chris ou si c'était de chez Travis. Et j'aimerais bien savoir qui est le loup-garou blanc aussi. Celui-là qui infecte les autres. Donc là, on va aller voir. Je crois que c'était Ryan normalement. Et ah oui, il y a eu Jacob qui était en prison avec un loup-garou. Donc. Je présume que Jacob va se faire tuer, vu la cinématique de fin, où Jacob était terrifié et que le loup-garou le regardait en mode je vais te bouffer toi. Mais il y a une chance que en fait c'était juste pour dire que c'est chaud pour lui quoi. Donc on va lancer et on arrête de parler. Je vais me mettre en silencieux. Comme ça, vous avez pas de dérangement. Par contre, il y a un mec, j'ai l'impression qu'il a mis sa télé à fond. J'ai pas l'impression que vous l'entendez. Parce que quand tout à l'heure j'ai fait des tests, vous l'entendez pas, mais bon. Au cas où, si vous entendez des bruits de fond, bah c'est la télé du mec, je sais pas ce qu'il fait. Où est Chris Hackett? Ta gueule. What? Où est Chris Il Hackett? a Ta gueule. tué Kaylee. On va pas encore remettre ça. J'ai dit ta gueule. Pas assez parlé. Ok, alors à toi. Dis ce que t'as à dire. Ryan, tu vas peut-être un peu loin là. Pense un peu à tout ce qui s'est passé cette nuit. Attends, t'as vraiment entendu une femme pleurer quand t'es parti? Pourquoi? Parce que nous aussi. Qu'est-ce que tu sais? C'est l'histoire de fantôme qui nous a raconté, hein? C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de monstre. Elle est réelle et vous êtes tous dedans. Ton bracelet. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de vous aider. Dans le pire des cas, ça te donnera une chance de t'en tirer. Et ça les tuera? Pour de bon? Ouais. Mais si c'est Nick ou un autre? Comme j'ai dit, dans le pire des cas. Ryan, pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un. Bon. Où habite Chris Hackett? Quand il est pas au camp, je veux dire. Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais? Vous êtes bien moniteur, non? Vous avez passé 2 mois ici. Il est pas au sous-sol et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois. Il me faut un point de départ. Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt. Hey! Quoi? Kathleen balance. Écoute, il y a peut-être un autre moyen. T'y as pensé à ça? Je viens de passer tout un mois à réfléchir qu'à ça. Bon, quand le soleil se lèvera, je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et Max non plus, ni tous les autres qui ont été mordus. En quoi c'est notre problème? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les et bois? Et puis n'oublie pas Nick. Ok, si vous continuez, va falloir vous jeter un seau d'eau. Ryan, faut qu'on sorte d'ici. J'ai plus beaucoup de temps. Si je trouve pas Chris Hackett, alors des tas d'autres gens vont être blessés. Je viens avec toi, hein?
Hein? Tout pareil. Je viens avec toi pour te prouver que Chris Hackett a rien à voir là-dedans. Il voulait qu'on reste à l'intérieur ce soir. Il voulait nous sauver. Je me fous de ce que tu crois. C'est moi qui m'en fous. Ta gueule. Bon, fais comme tu veux. Mais t'as bien vu avec Nick. On l'a mordu. T'inquiète, tout va bien se passer. La voiture que t'as prise, elle est où? Au fond du lac. Pourquoi? C'était une voiture de flic volée. Tu vas devoir essayer de réparer le minivan. Vous devez partir. T'as combien de temps? Une heure ou deux, j'en sais rien. C'est pas vraiment une science exacte. Alors faut qu'on se bouge. T'es bien sûr que c'est par là? Pratiquement, ouais. Pratiquement ou totalement? Tu m'as pris pour quoi? Pour un guide? Est-ce que t'es déjà venu ici? Eh ben, non. Quoi? T'es sérieux? J'en sais pas plus que toi, ok? À quel point tu connais Chris Hackett? Monsieur H, plutôt bien. Autant que la route à suivre pour atteindre la maison? La première fois que je suis venu, je vivais une période tendue et Monsieur H m'a bien aidé. C'est un type bien. Tu le connais pas comme moi. Tu le connais pas du tout. Ok, ok, ouais. T'es son chouchou. C'est quoi ton problème? Écoute, je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond, pas vraiment. Eh ben, je connais Monsieur H et il ne ferait jamais aucun mal. Et moi, je peux te dire qu'il n'est pas le type bien que tu crois qu'il est. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider les gens. C'est pour ça que la colo existe, pour aider les gamins. Ouais, j'en doute pas. Tu sais ce que je dois faire, hein? Je sais. Mais que si on peut pas lui parler, s'il n'y a pas d'autre moyen. Passe devant. C'est là le manoir Hackett. Alors comme ça, il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois. Regarde-moi ça. Non, mais c'est là que vit sa mère, je crois. Je connais pas, mais si on veut des réponses, c'est sûrement là qu'il faut commencer. Mais, attends, comment on y accède? C'est-à-dire? Comment on accède au manoir? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a qu'à pas y aller. Écoute, je sais bien que Chris est ton pote. S'il y avait un autre passage, je te le dirais. Ok. Ouais. Laura. Chris est un type bien. C'est pas une question de bien ou de mal, Ryan. Et comment tu peux en être aussi sûr? Si je laisse ma conscience s'en mêler maintenant, tout sera encore bien pire pour tout le monde. Crois-moi, s'il y avait un autre moyen, j'en serais ravie. Et où est-ce que tu vas? T'es pressé, tu te souviens? Il va y avoir un autre moyen de traverser. Je te tiens! Fais gaffe, ça va lâcher! C'est Nimp. Putain, merde! Est-ce que ça va? Laura? Mais les points d'eau, elle redoutera. Ouais.
bordel de merde. Attends, vois. Qu'est-ce que tu fais? Je calme. Regarde. Comme tu as de grands yeux, mère grand. Oh merde! Tu vois du jaune dans mes yeux? Je sais pas trop. Oui. Merde. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, vite. On y va. Ah, il y a un truc là. Ça remonte sûrement à la carrière. Sans deck. Plus personne descend jamais. Mais monte. Ok, donc là il y a rien. C'est-à-dire que si on joue tout le film en cinéma, on peut. Quoi, tout le jeu en cinéma. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de QTE, il y a pas. Non, là c'était pour monter. Est-ce qu'il y a. Ça veut dire que là toutes les phases de marché et tout, on les a pas. J'ai juste le moment des QTE et des choix. T'as entendu ça? C'est elle. Qui? Je vais tester, je vais voir. La folle plus tard. De Hackett Squarry. On dirait qu'elle veut nous avertir. Ou nous guider. Folle de la casse-coirée, est-ce que c'est celle de tout à l'heure qu'on a vu qui a capturé les... le loup? Ah, le loup. Le monsieur propre. Tu crois qu'on nous a entendus? Non, c'est pas possible. Cet endroit n'est pas du tout aux normes. Hmm? Si les normes, c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer, ça correspond plutôt bien. Bon, allez, on y va. On continue. Parce que sinon, elle va se transformer en loup-garou l'autre. Attention, putain. Ah, tu l'as poussé. Allez, on avance. Donc ça c'est en dessous du manoir. Bon bah on peut plus descendre. Elle a raison, un bon burger. Ça se soulage. Surtout quand t'as faim. Parce que là, madame loup-garou. Oh la vache, c'est haut. Regarde pas en bas. Ah. Tu crois que peut-être il pourrait y avoir quelque chose avec nous? Soit ça, soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait. Sacrée descente. Ok. Bon. Où est le panneau sorti? Regardez qui a finalement de l'humour. Truc que je pige pas. Comment ça? Ton petit numéro de solitaire ténébreux là, ça colle pas vraiment avec le j'adore mon directeur de colo. Donc je rentre pas bien dans ta case, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et c'est quoi au juste cette case? Rien. Tu fais toujours ça? Quoi? Commencer à parler avec quelqu'un et puis te renfermer immédiatement dans ta coquille. J'ai peut-être juste plus envie de te parler. Oh, waouh, sympa! Je suppose que t'es célibataire?
C'est vrai que Ryan est bizarre. Il y a de la lumière. Ouais. Ou bien tu peux rester là, comme tu veux. Je vois que tu manges bien tes épinards. Alors, tu vas entrer en premier dans ce tunnel à moitié effondré ou j'y vais ? J'y vais. Ok, j'ai trouvé une carte. Attends, mais là je suis sorti. Par ici, genre un indice, une dinguerie. Non, ok, bon bah continue. Il y a une croix, mais je sens que c'est la sortie. Attention, ça pique. Merci. S'amuser. De l'alcool, la prohibition, des tunnels de contrebandiers. Ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans. Il doit être encore bon. Bon, millésimé. Alors les Hackett étaient contrebandiers. Logique. Après la carrière, ils ont dû se diversifier. Allez, on verra ça plus tard. Ok. Donc ils avaient de l'alcool dans leur mine. Tu crois qu'on y est ? Je sais pas, je suis complètement perdu. Ouais, pareil. On y va ? Let's go. Kathleen. Non, moi je voulais continuer à jouer les deux autres. Je veux pas jouer elle. Qu'est-ce que je vais apprendre là? Rien. Ah si, Emma, je l'ai oublié. Trouver Emma. D'ailleurs, j'ai oublié. Dans le dernier épisode, ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle était rentrée dans la voiture. C'est quoi ici? C'est un peu de ma faute. Je me suis embrouillée avec un des locaux. Putain, Kathleen, c'est un vrai champ de bataille. Tu devrais voir l'autre type. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob et Emma? Probablement rien, j'espère. On devrait pas les chercher? Les prévenir? Je crois que le plus sûr, le plus responsable, c'est de trouver de l'aide. Ok. Et puis, on viendra les rechercher. Et Nick. Et Nick. Et Nick. Mais qui a mordu Nick? C'est ça le truc. Parce que pour sauver Nick, il faut tuer celui-là qui l'a mordu. Emma. Qu'est-ce que c'est ce truc? Jacob? Emma? Qu'est-ce qui... J'ouvre la portière? Si tu veux mourir. Il a perdu une main, il peut. Hein. En plus, c'est Emma. Je suis désolée. Dylan, je suis
lacrymo. Quoi? C'est du déo. Oh. Ouais. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le van. C'est vraiment bête. Bon, déjà, on a retrouvé Emma. Perdu une main. Alors elle était au commissariat depuis le début. C'est ouf, hein. Alors que nous, tranquilles, on passait un super été tous ensemble. Sans savoir. Ok. Tu peux réparer? Non. Ah. Pas sans certaines pièces. Notamment un doigt d'allumeur. Je crois qu'il y a une casse pas loin. Alors tu peux réparer? Ben, je promets rien. Mais j'espère. Si on trouve ce qu'il me faut. Ça me paraît peu probable. Dylan, allez, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Bon, d'accord. Une fois encore, Dylan se met en danger de mort pour le bien de ses collègues. On est censé faire quoi, au juste? C'est vrai, le van est sympa, mais c'est pas non plus une forteresse. Bah, il y a bien le sous-sol du chalet, ça devrait être sûr pour l'instant. Ok. Abby, tu me suis. Courage. Tu m'as choisi. Ok. Que je peux revenir sur Laura et Ryan, s'il vous plaît. Maintenant. C'est Laura et Ryan, ça? Oui. De toute façon, il n'y a que trois groupes. Les deux là, Jacob tout seul, et tout le reste. C'est rien, on a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains. Fais pas de bruit. Toi, fais pas de bruit. Chut. Il sait déjà que t'es là. Vous le savez pas. L'empereur. C'était quoi ça? Merde. Le pauvre. Quelle grosse tête. C'est qui, Bobby? C'est Bob. On appuie sur L1, on va marcher plus vite. Un vieil alambic. Les affaires devaient bien tourner. C'est un truc pour alcool, je crois, l'alambic. Attends. Donc là, je viens de trouver la carte de truc. Mais tout à l'heure, il y avait écrit empereur. Et je l'ai pas vu. C'était ici. J'ai vu qu'il y avait écrit empereur. Là. Ok. C'est bon. Attends. C'est quel côté originel? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Attention. Je vais bien. J'aurais pu me croûter et mourir là.
Eh mais attends, on est en train de rejoindre le Jacob là. C'est-à-dire que les groupes se reforment. Ben voilà, t'as retrouvé Jacob. Qu'est-ce que tu fais là, Travis? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Bon. C'est Kelly. Elle est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. T'es mordu? Mais elle est folle. Attends. C'est lui. Réfléchis. Pourquoi on l'aurait enfermé dans une activité? Pour qui c'est? Ok. C'est elle qui. Tu t'es déjà trompé une fois. Peut-être même que c'est Nick. Hey, écoute. Ok. Ils disent qu'ils sont occupés de deux d'entre nous. Sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. N'oublie pas. Sois sûr. T'as vendu. Ryan, Ryan, faut que tu me gardes là. Ok, je rentre tout de suite. Ils l'ont pris. T'es qu'une espèce d'abruti. Mort. Putain, espèce de sale petit con. Dégage. Dégage de ma vue. On va aider Jacob. Ok, bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut ouvrir ma porte. Et cette porte. Mais surtout pas cette porte. Ah, super. Merci, Einstein. Putain, va te faire foutre, j'essaie d'aider. Toi, va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. La ferme. Ok, il y a une armoire sur le mur là-bas. Un disjoncteur, je sais pas. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Donc faut que j'ouvre la 3. Et la 2. Mec, bravo. Maintenant, fais pas de foirer.
concentrer, mec, allez. J'ai rien compris à l'énigme. Bobby, c'est John Cena? Ça, j'aurais le droit d'auteur sur cette musique. Je baisse un peu le son. Donc là, on voit tout ce qui se passe dans la truc, mais. C'est déjà? J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes. J'en ai apporté 3. L'impératrice, regardez-la. La chute est bien plus dure quand on est au sommet. Quelle tristesse après avoir pris soin de ces petits monstres de vivre assez longtemps pour les voir vous tuer. Mais elle n'en méritait certainement pas moins. Le loup de la fortune. Après tout, ah non, c'est Will. J'ai cru Grey Wolf. Parfois, il faut prendre des risques. Les voies du karma sont impénétrables, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Alors ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un œil averti sera déterminé. L'empereur. L'empereur. L'autorité, la paternité, des structures destinées à s'effondrer. Les puissants peuvent tomber, et leur empire avec eux. Qu'ils saignent, qu'ils se déchirent entre eux, qu'ils périssent. Des détails. Alors choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. Je veux voir l'impératrice. Elle se fait buter. Vous avez encore le temps. Par un propre truc. Chapitre 8 terminé. Bon bah voilà. Vidéo terminée. Donc on a eu encore plus de révélations. Donc c'est pas mal. Donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Là ça va pas durer longtemps par rapport à l'épisode d'avant. Donc là il nous restera 2 chapitres et puis ça sera fini. J'espère que ça va vous plaire quand même. Et puis je vous dis à la prochaine.